Salut à tous, aujourd'hui une vidéo sur la KDE, enfin sur OpenSUSE 13.2 KDE-SC. Ce sera surtout une vidéo pour vous montrer pourquoi je n'apprécie pas du tout cette, je n'apprécie pas vraiment cette distribution. KDE soi-disant, enfin OpenSUSE dite 64 bits, vous comprendrez pourquoi je dis dite, parce que comme je l'ai précisé dans l'article en descriptif, ça fait penser un peu à un plat de pâte carbonara qui au bout de 3 bouchées se transformerait en plate de spaghetti bolognaise. Bref. Donc là, je vais partir d'une OpenSUSE 13.2 KDE fraîchement installée. Et maintenant, on va lancer ensemble pour vous montrer le massacre. Là, je vérifie quand même que j'ai mis du son parce que j'ai un petit doute. Donc là, je m'excuse, mais je ne sais pas si j'ai mis suffisamment de son. Non, c'est OK. Voilà, c'est l'idée directe. Donc voilà, je lance OpenSUSE. Elle s'est lancée toute seule, déjà, c'est bien sympa. Elle utilise une partition root en BTRFS. Oui, le système de fichiers qui n'est pas encore stabilisé au niveau de développeur du noyau. Bon, mais c'est eux qui voient, après tout. Hein. Donc là, pour moi, je vais rester en mode fenêtré, ce sera plus simple. Donc, ça utilise le KDE 4.14, comme d'habitude, un grand classique. Mais ce qui est marrant, c'est surtout le passage de Yast et compagnie, que j'adore. Donc, voilà, bon, déjà, il n'est pas en français. Ça, c'est un problème. Donc, pour l'installation, pour la mise à jour des paquets, je passe directement en console. Parce qu'il est nécessaire, ça vous montrera l'étendue du mélange entre 32 et 64 bits. Ferme ta bouche. Donc là, voilà. Je vais faire une faute de frappe dans le mot de passe utilisateur, enfin route plutôt. Et zut, on va y arriver. Alors là, je vais tuer la tâche package kit gd. Donc, ok, il est pas. Donc, on fait zipper update. Là, déjà. On voit qu'il force l'installation de Flash Player. Si on n'a rien demandé, c'est la même chose. Bon, c'est bien, c'est vrai, il faut quand même simplifier la vie d'utilisateur. Donc là, oui, on accepte, blablabla. Oui. Donc après, on va voir le nombre de mises à jour qui vont être mises en place, et surtout le nombre de paquets 32 bits qui vont apparaître. Parce que je sens que ça va pas être triste. Bon, pour le moment, il n'y a que du 64 bits, du x86-64 qui apparaît. Et nous allons voir, quand on va faire la mise à jour, le nombre de paquets 32 bits qui vont être affichés. Parce que normalement, et si mon expérience se vérifie, il y a beaucoup de paquets 32 bits dans une distribution qui se dit 64. Si ça vous fait rien personnellement, moi, j'aime pas qu'on me dise « c'est du veau » alors que je me retrouve avec de la dinde. C'est à peu près le même principe. Ce sont des protéines, mais ce n'est pas le même genre de protéines. Moi, je sais que ça fait un peu vieux con, mais j'aime qu'on respecte ce qu'on me dise. Donc là, il m'installe les paquets nécessaires. Il y a 53 paquets qui vont être récupérés et installés. Et après, il y aura la mise à jour, je pense. Bon, le zipper est assez rapide. Et après, normalement, il devrait y avoir les paquets d'autres mises à jour, enfin les paquets complémentaires qui devraient s'installer. Là, je refais un zipper update. Ok, donc là, normalement, zipper upgrade peut-être. Non, zipper help.
Donc là, je vais lancer Yast. Oups, c'est pas ça que je vais faire. Autant pour moi. Yast 2 qui est en mode graphique. Voilà. Donc là, on va voir Software Management. Voilà, bon, déjà c'est en anglais, bien sûr. Et on va voir le nombre de paquets 32 qui va nous installer. Alors, modification automatique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Là, je ne peux pas compter parce que là, je vous laisse constater. 17, 18, 19, 20. Ouh là là, 21. Allez, continue. Je sais quoi. 22, 23. Non, mais là, je vous laisse montrer. Non, mais je vous montre dans notre paquet 32 bits qui vont être installés. Je ne sais pas pourquoi. Alors qu'il n'y a ni Skype, ni autre logiciel comme Winnet qui est installé. La preuve, regardez-moi tout ça. C'est plusieurs dizaines de mégas qui vont être installés en paquet de 32 bits. Allez, bon, alors là, je compte même plus. Là, sur 300 000 paquets, on va dire qu'il y a à peu près un tiers qui va être du paquet 32 bits. Je m'excuse, c'est une distribution que se dit 64 bits. Parce que si on va baisser Yast temporairement. Alors c'est la réduction que je voulais faire. Voilà. Donc là, on va réduire Yast. Si on regarde dans K-Info Center, le centre d'information de KDE, moi je m'excuse, à moins que je ne sache pas lire, il est marqué 64 bits. X86 64, pas 32. Donc là, je vous laisse juge de l'ensemble de la récupération des paquets. Il y en a 308. Ferme ta bouche. Voilà. Je m'excuse quand même. Il y a plusieurs dizaines de mégas de fichiers en post-install qui sont en 32 bits. Ce qui était la norme il y a encore 5 à 6 ans sur les distributions grand public, que ce soit Fedora, Ubuntu, Debian et compagnie. Donc là, je vous laisse regarder ça, parce que là, je vais me calmer ailleurs. Et manger un morceau de chocolat. Désolé pour la longueur de la vidéo, mais au moins vous avez la preuve. Vous comprenez pourquoi je n'apprécie pas cette distribution. Maintenant. Je sais, j'aurais pu prendre une OpenSUSE directement avec le DVD, donc ça m'aurait évité de récupérer tout ça, mais là, au moins, vous avez la preuve que de 64 bits, elle n'a que le nom. Je m'excuse, c'est quand même écœurant. Et ça montre aussi que la version installée depuis un CD est quand même très très faible. Il manque pas mal de trucs.
Et heureusement, j'ai un bon réseau, parce que sinon, c'était une véritable horreur. Écoutez, attente. Heureusement que les paquets 32 bits sont très petits, style 140 kilo-octets et compagnie, mais merde, je m'excuse, ce n'est pas une version, parce que là, on parle de 48 bits, on ne parle pas de 32 bits, on ne parle pas de 32 ni 64, on parle de 48 bits. Point barre. Une ligne sur 3, c'est presque du 32 bits qui apparaît. Je veux bien que des personnes qui utilisent Winnie et compagnie, mais quand même. Pourquoi installer ZSH? Pourquoi installer KSH? Je veux bien qu'il y ait le choix, mais mercredi quand même. C'est pas possible. Comme ça, on ne pourra pas dire que je ne justifie pas pourquoi je n'aime pas la OpenSUSE. Maintenant, il y a la première vidéo. Si vous n'êtes pas content, c'est votre problème. Si vous aimez cette distribution, tant mieux pour vous. Moi, personnellement, je considère que bof, quoi. Voilà. Bof, bof, bof. Attendant qu'il finisse d'installer, je vais vous montrer maintenant pourquoi je n'aime pas Yast. Parce que quand on voit Yast qui s'installe comme ça. Voilà, moi je n'aime pas Yast pour simplement une raison. C'est qu'il fait doublon. Voilà le centre de contrôle de Yast. Qui est la partie gestion logicielle, je veux bien. Mais je m'excuse. Il y a l'imprimante, il y a le clavier, le son, le scanner, gestion de la date et de l'heure, la gestion des services, ça c'est encore limite, mais les réglages du réseau, tout ce qui. Mais tout ça, moi je m'excuse, mais ça fait doublon. La preuve, je vais lancer en parallèle les outils. La configuration système de KDE. Et on va s'amuser à compter le nombre de doublons que je peux trouver. Alors on va commencer par tout ça. On va voir le nombre de doublons. Réseau EDIN. Bon, ça c'est pas la peine, tout ce qui est software management, c'est spécifique. Mais si on regarde imprimante et scanner, si on regarde, hop ça, c'est pas ce que je voulais faire. Si on regarde imprimante et scanner, qu'est-ce qu'on voit? Printers, imprimante. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Localisation, pour les langages. Non mais regardez-moi le nom de doublon. Digital cameras, donc automatiquement, caméra et scanner. Input devices, clavier, souris, compagnie. C'est pas ce que je voulais faire. Le son, idem. Multimédia, le son. Date et heure. Voilà, j'ai fait une faute. Je sais pas. Bon. Mais je m'excuse, le nombre de doublons qu'il y a, c'est incroyable. Ça doublonne. Regardez, tout ce qui est réglage réseau,
C'est un doublon. Donc là, je vais revenir là. Tout ce qui est réglage réseau d'ATR, on l'a aussi par défaut dans KDE. Il doit être par là, d'ATR. Écran de connexion. Gestionnaire de logiciel, qu'on peut trouver en double. L'affichage, je ne sais pas s'il est, mais il doit y être aussi dans l'IAS, l'affichage. De ce moment, il y être. Non, mais il y a des doublons. Je m'excuse. À quoi ça sert d'avoir des doublons si ce n'est provoquer des ennuis par la suite? C'est tout. Autant il y a des outils qui se justifient dans IAST qui sont complémentaires, mais doublonner, c'est dangereux. Ça peut finir par provoquer des ennuis. Parce que je m'excuse, si les développeurs de KDE ont développé des outils, des options pour régler l'affichage, pour régler les réglages du son, des imprimantes et compagnie, ce n'est pas pour être doublonné par ailleurs. Ce qu'ils savent, ce qu'ils font. Vous savez qu'en 3 minutes d'attente, eh bien punaise. Non mais c'est justement pour vous montrer que entre les doublons, parce que si d'un côté on lève la langue et de l'autre aussi, ça va finir par faire un moment, il y a des outils qui vont se taper sur la tronche et ça va pas fonctionner. Désolé, mais pour moi, je ne vois pas l'intérêt que IAST a de proposer des doublons avec les réglages de l'environnement proposé. Il n'y a aucun intérêt, si de dire aux développeurs, on sait mieux faire ça que vous, faites pas chier. Voilà. Ça finit à terme par provoquer des ennuis. C'est tout. Ça finit par provoquer des ennuis. Après, on s'étonne que ça pète en l'air, que ça devienne une distribution qui est très lourde, parce que quand même, il y a plus de 800 mégas qui ont été récupérés. 800 mégas sur une installation fraîche faite avec un CD, ça fait beaucoup. Ça fait même le double, ça fait même plus de taille d'un CD. Parce que pour vous dire, l'image ISO que j'ai récupérée dans téléchargement, elle fait, que je ne dis pas de bêtises, elle doit faire dans les public, propriété, je ne sais plus combien. Elle doit faire dans les. Bon, je sais plus là, j'ai un petit doute, donc je vais regarder en vitesse sur dans les réglages de VirtualBox. Elle fait 900 mégas. Donc déjà, j'ai récupéré 800 mégas de données pour une image d'installation qui en fait 900. Cherchez l'erreur. C'était plus simple pour moi de récupérer directement l'image DVD. Donc là, je m'excuse, il y a peut-être un léger bug quelque part. Hein, ah, mais quand on voit le nombre de bibliothèques 32 bits qui s'installent, c'est incroyable, quoi. Là, j'en ai vu la moitié, ouais, une trentaine, une quarantaine, pour pas dire une cinquantaine de bibliothèques en 32 bits. D'ailleurs, une fois qu'on aura redémarré, on va voir combien il y a de bibliothèques 32 bits dans l'ensemble. Je sens que ça va pas être triste. Non, mais pour moi, ce sont les principaux points d'achoppement qui vous font comprendre pourquoi, pardon, je n'apprécie pas l'OpenSUSE. Voilà, c'est simple. Pour moi, si on dit que c'est une distribution 64 bits, il doit y avoir du 64 bits et très très peu 32 bits, à la marge. Pas avoir 15, 20 ou 25% de paquets de 32 bits. C'est du 64, point, barre. À moins que je sois complètement illuminé et complètement à la masse, je m'excuse, un système dit 32 bits, pardon, 64 bits, doit rester 64. Point barre. Oh, mais ferme ta bouche. Mais regardez là, sur la liste, je crois que j'en ai vu, sur la défilée, ça va boum 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 boum, 32, 32, 32, 64, boum blablabla. Oui, non mais c'est bien simple, ça, un coup c'est de 64 bits, un coup c'est 32. Alors si on n'utilise aucun logiciel de ce type Skype ou Winay, ben, on se retrouve avec la moitié de la partition route bouffée par des logiciels des bibliothèques qui ne servent à rien. Ça fait mal. Je veux bien qu'on soit avec des disques durs énormes, mais je m'excuse.
je préfère largement utiliser mon disque dur à ne pas stocker des fichiers qui ne seront jamais utilisés. C'est tout. C'est bête et méchant. Voilà. Oui, c'est peut-être aussi parce que mon premier disque dur faisait un peu moins de 60 mégas à l'époque. Voilà. Alors là, il a quand même... Alors, blablabla... 500 mégas d'installés et pour 1 giga de récupéré. Enfin, 1 giga installé pour 100 mégas d'installé. Pardon. 500 mégas de récupéré pour 1 giga d'installé. Donc là, on va redémarrer ensemble. Et on va voir ce que donne la version installée. Mais j'avoue que... Pouf. Non mais là, je suis vraiment... un peu... lassé. Voilà, donc là, on relance l'ensemble. Voilà, donc il redémarre en espérant cette fois-ci que le français soit bien passé en action. Sinon j'appliquerai le français en utilisant les outils de KDE ou de YAST, je ne sais pas encore. Il propose deux outils pour traduire l'environnement, il y en a peut-être un de trop. Je voulais pas dire. Hein. Bref. Alors, voyons, est-ce qu'il est passé en francesiche ou pas? Oui, il est passé en français, oui. Donc là, on va voir la taille qui est prise. 6,5 Go. 6 Go pour un système. Donc là, on va lancer YAST, qui va nous permettre de savoir le nombre de paquets 32 et 64 bits de chaque version. De chaque nombre de paquets 32 et 64 bits en répartition. Donc là, alors, installer, supprimer de logiciel. Avec une simple recherche au nombre de paquets installés, on va faire un calcul rapide. S'il veut bien démarrer, voilà. On va rechercher résumé d'installation. Alors, vue. Alors, rechercher paquet. On va chercher 32 bits. Et zut. Alors, option, on va prendre les paquets uniquement installés. Alors, rechercher. Donc là, respecter la casse. Donc là, on va y compter. Hein. On va y compter dans ce cas-là. Et zut. Et zut, c'était... Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oh là là, je ne comprends pas les compter, mais je voulais se voir. Hein. Je dirais bien une cinquantaine à vue de nez. Alors, peut-être configuration paquet de cette liste. Tous les paquets. Non. Installé. C'est pas ça. C'est pas pratique pour savoir. C'est ça qui est ennuyeux. Mais il y en a un sacré paquet, là, je peux vous dire. Hein. Là, mais regardez-moi cette liste de paquets 32 bits. C'est la facile une cinquantaine. Hein.
Je ne sais pas combien il y en a, mais ramassez tout ce qu'il y a. Alors, voyons, est-ce que je peux trouver le moyen d'actualiser la liste? Donc j'essaie quand même de trouver le moyen de savoir ça. Peut-être avec Zipper, mais en tout cas, vous avez quand même qu'il y a un sacré paquet. On va voir Man Zipper, peut-être qu'il y a proposé des stats. Service, package type, package balances, blablabla, comments. C'est un truc, on va Zipper search 32 bits. Et si je vois the grep installed, peut-être avec un peu de chance. Non, là je ne sais pas comment savoir comment on peut détecter les paquets installés. Là, j'avoue que je ne sais pas comment faire, mais quand même, il y a un sacré paquet là, c'est quand même assez incroyable. Peut-être qu'avec Upper, il va nous dire peut-être. Peut-être qu'il y a filtre installé, seulement ce qui est installé. On va chercher 32 bits. Oups, 32 bits. Peut-être qu'il va nous donner la liste. On va compter 1. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça veut dire 51. 52, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 70 déjà, 70, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. On va dire qu'il y a bien 90 paquets, 32 bits. Donc là, oui. Sur, on va dire, peut-être un bon millier de paquets installés. On va dire 10 à 15% qui sont du 32 bits. Donc là maintenant, vous comprendrez que là je commence à saturer un peu et que je vous dise à plus, et puis dans une vidéo où je serai un peu moins énervé, surtout un peu plus content de vous présenter une distribution. Allez, ciao!